Salut YouTube, un nouveau match commenté, c'est impressionnant et on affronte Mescol pour un match OU et un match OU et en plus on va se faire en direct, c'est impressionnant donc on va l'inviter, on va inviter Mescol, yeah, previously on Mescol. Donc on va affronter Mescol et on ne sait pas avec quoi il va jouer. Nous on va garder la team qu'on a, hein, la team de tournoi Azure Paradise. Il n'y a pas de... Donc voilà, on l'invite. On attend qu'il accepte, c'est impressionnant. Donc il a accepté, décidé qui c'est qui décide des règles. C'est moi le chef, ok. Donc les règles de combat, bah, de toute façon on va faire niveau 50 parce que voilà. Parce que sur console, rares sont ceux qui ont tous leurs Poké niveau 100 par les PKXers. Hein. Voilà, le mot est lancé. Donc équipe sélectionnée. Non. Lecture de QR code, ça n'existe pas encore. Donc on va jouer avec celle-là. Voulez-vous participer avec cette équipe? Voilà. Donc changer la musique. Alors on va essayer de ne pas prendre la même musique hein, que... Je crois que c'est Boss. On va changer un peu. On va mettre... ouais, défense du titre parce qu'on a deux victoires avec cette équipe. Donc on va voir si... si on gagne. Voilà. Voilà. Si, si. Alors qu'on est en train de parler à Mescol en direct, c'est impressionnant. Le combat solo. Alors. Ah oui, alors Mescol qui joue une team. Ah oui, qui joue une team Pokébank. Ah oui, d'accord, donc ça c'est rigolo. Donc on va voir ce que fait. Ah oui, il joue sa mix. Il joue une Mixed alors. Il joue la Mixed. Donc Motisma, Scorplane, Magnézone. Magnézone que si les Scarf on est dans la merde. Florge, Ditto qui va être extrêmement chiant. Et Kankrelov. Donc pour lead on est dans le caca parce qu'il peut lead. Ok mais quoi il va lead. Parce que là le petit Motisma il nous casse légèrement les couilles en fait. Le Motisma il casse les couilles. Donc là on a vraiment quelque chose de pas très rigolo. La suite va vous étonner. Je suis un peu faux sceptique. Allez, on va voir. Bonne chance, Mescol. Et oui, il me dit bonne chance, oui. Hop, gel à fun. Voilà. Allez, c'est parti, cette musique de la hype. Et on envoie Hydreigon pour lead. Ah, il me dit que c'est une team test. D'accord, bon, on va voir. On va voir, mais sur le papier, c'est assez dangereux pour nous. Le Ditto. Ditto Scarf, alors est-ce qu'on prie? Est-ce que... Allez. Voilà, c'est le beau jeu, mais... si on gagne pas la speed tie, on est mort. Si on gagne pas la speed tie, c'est mort, vous le savez. Et là, le Draco Meteor, vous le sentez. Parce qu'il peut faire Exploforce aussi. Exploforce, ça peut... Non, c'est nul, Exploforce. Il peut faire demi-tour, ce qu'il va sûrement faire, hein. S'il est bon, je ne sais qu'on n'est pas son niveau. Voyons. Réfléchis Dani, qu'est-ce que tu peux faire? Allez, vous savez quoi? Attends, parce qu'il a, il a une type fée ou pas? Non, c'est une équipe, je crois pas. On va claquer, parce qu'on porte nos balls. Allez, on porte les balls, il retire. Il retire, qu'est-ce qu'il fait? Florge, mais oui, j'ai oublié qu'il y avait lui. Mais oui. Mais du coup, par contre, on en parle. Ah ouais, mais non. Ah, mais là, il faut faire gaffe. Vous sentez la couille? Vous sentez la couille pour faire venir un Pokémon acier? Florge qui peut toxique. Mais en même temps... Putain, j'ai... Je sens la couille dans le pâté, là. Là franchement... est-ce qu'on porte nos balls? Putain, je le tente très bien. Allez,
Vous savez quoi? Moi, je les porte. Ça a retiré Dragon, donc ça, c'est normal. Bon, est-ce que derrière, il double switch? Voilà, donc là, comme un innocent, il va envoyer Magnézone à Ajaccio. Il envoie Motis Main. Fait très intéressant. Fait très intéressant, il envoie Motis Main. Et alors le truc évident, c'est qu'on ne sait pas si cette merde est défense ou défense spéciale. C'est le beau jeu. Alors, est-ce qu'il a pas envoyé Magnézone parce qu'il serait Specs? Possible. Très possible. Et si il est Specs, ça m'arrange. Lui va faire feu follet de toute façon. Pour feu follet, on a pas grand-chose. Allez, on va quand même envoyer l'Hydreigon. On se teste, on s'observe là. Parce que là, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Feu follet, ouais, mais ça, je m'y attendais. Mon papa s'est laissé brûler Métalos. Possiblement une défense spéciale, peut-être. Du coup, ça peut envoyer Florge. Et si ça envoie Florge, ça me casse les couilles. Donc, on va faire un petit demi-tour. Est-ce qu'il va switcher? Match compliqué quand même. Hein. On va pas se mentir. On fait demi-tour, il switch pas, putain. Et là, je vais m'en vouloir. Hein. Alors, il a prévu changer clair. Et s'il a prévu changer clair. Ouais, mais s'il a prévu changer clair, c'est la merde. Donc, dans tous les cas, ce motissement me fait chier, en fait. Ouais, dans l'idée. Il va falloir. Je pense que Mamochon va y passer. Hein. On va envoyer Mamochon. Pensant qu'il va faire changer clair. Oh putain. Ce génie. Par contre, on va en profiter pour poser les pièges de rock. On pose les pièges de rock. Il peut faire hydrocanon au feu follet. On s'en bat les cacahuètes de toute manière. Ouais, le feu follet, bon, qui était obvious, hein, mais. Alors qu'il me dit tu pues le métallos, très bien. Très très bien. Ben, de toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Le motisma est embarrassant. Ma team n'est pas prête pour le post-bank. Vu que de toute façon, c'est une team pré-bank. Je suis en train de faire n'importe quoi avec mes cheveux, faut que j'arrête. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, voilà, ça va mieux. M'a fait hydrocanon, n'est-ce pas? Bon, très bien. Au moins, le Mamanchon, il est mort. Très bien. Là, le feu follet, c'est le feu follet. En fait, tout le monde se prend le feu follet. C'est un peu la merde. Sachant qu'il peut envoyer Florge. Et je sais qu'il veut que j'envoie. Bon. Est-ce qu'on ferait pas un petit change éclair? Allez, on tente le change éclair. Motisma est plus rapide peut-être. C'est un risque que je prends là. Je suis plus rapide. De toute façon, il a fait change éclair. De toute façon, il a fait changer clair. Alors,
qu'il va envoyer Kankrelop, je suis pas sûr. Je pense qu'il va. Il va envoyer Ditto peut-être. Ou renvoyer tout simplement le Florge, ouais. Le Florges. Alors là, faut pas faire le con parce que si on fait demi-tour. Parce que là on fait demi-tour, on voit si du coup il switch sur sur Metagross ou. Mais je pense qu'on va plutôt envoyer Magnézone. On va essayer de m'envoyer Magnézone. Allez. Que va choisir Mescol? Il choisit de rester, donc il va sûrement taper. Qu'est-ce qu'il peut taper? Un vœu. Donc nous on va envoyer Magnézone. Donc il n'y a pas switch. Il n'y a pas switch là, donc il fait un vœu. Là c'est assez tordu là. Mon cœur me dit de taper tonnerre, mais on va taper changer clair je pense. Mais il va taper, il va faire abri. Il va faire abri. Non? Il retire Florge, donc là on a bien joué le coup. Là on a bien joué. Il va se manger un changer clair et prendre cher. Swagnezone, c'est pas mal le surnom. Le Magnézone. Alors, est-ce que... de toute façon... Je crois qu'on va lui révéler qu'on a Exploforce, mais à la limite, Florge, il va arriver... Ouais. Est-ce qu'on se tenterait pas une petite Exploforce? C'est assez compliqué là. Alors qu'on est au 10e tour. Kankrelop, ça on s'en fout. Le Florge me fait grave chier en fait. Sachant que il me faut Hydreigon. Quelles sont les possibilités? Allez. Oui. Oui, ça passe. Oui, ça tue. Ça tue le Magnézone. Yes. Ça, c'est bon. Il a pas switch. Ah, ça, c'est le beau jeu chez Danimasta, vous le savez. Vous le savez, on respire. Ah, le Magnézone, donc du coup, c'est assez free pour Metalos. Là c'est bien, là d'avoir éliminé Magnézone c'est bien. Ouais, maintenant il manque le Ditto qui va nous casser les couilles. Parce que là le Trioxydre il a fait le taf, hein. Là. Bah, il reste le Florge qu'on peut éliminer assez aisément. Donc on est assez free pour envoyer Magnézone finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors qu'il me dit qu'il aime pas le Scarf. Évidemment, bah oui, hein, c'est la vie. Le Scarf, c'est la vie. Et on envoie le petit Magnézone. Ouais, qu'on aurait été mieux d'envoyer Magnézone, peut-être. On envoie le Metagrossi. Ça retire Florge aussi. C'est bien vu. Miss France. Alors, est-ce que c'est un des fameux joueurs qui joue le Kankrelop Scarf? Le piste au point. La suite va vous étonner, il faut que je calcule. Alors, Metagross, Mega, mince, Metagross.
Ouais, faut que je me dépêche par contre. Metagross Mega. Tac. Comment il s'appelle? Feromossa. 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 Est-ce que Feromossa. Et je veux mettre le. Ah, comment s'appelle cette attaque? Pistopoint. Comment ça s'appelle, bordel? Ah! Attendez, j'ai un autre plan. Team Builder. Bullet Punch. Bullet Punch qui ne tue pas. Qui ne tue pas le Konkrolov. Donc de toute façon. On va voir ce que fait High Jump Kick. High Jump Kick ne nous tue pas, donc on va taper la Draco Meteor, sa switch. Il va pas vibrer. Hein. Oh, tant bien même il est l'Evoluroc, hein, de toute façon c'est ça qu'il a comme objet, pour pas se mentir. On va voir les dégâts de Point Meteor. Qui ne rate pas. Bon, on va envoyer le petit Léviator. Même si on a le boost d'attaque, on va pas prendre le risque. Il y a des solutions. Soit il fait séisme. Il fait atterrissage. Ouais, ça, c'est bien vu. Et du coup, est-ce qu'on se placerait pas quand même? Là, je pense qu'on peut clairement se placer sur... sur Scorplan, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on va se placer. Jamais content, place le clonage. Toxique, voilà. Ah, c'est ça qu'on aime chez Danimasta, c'est l'anticipation. Donc, si en plus s'il a que séisme, par contre, il va pas vibrer. Il lui reste 5 pokés quand même. Donc il y a Florge qui nous pose pas de problème. Ah, il y a le Ditto. Oh putain, il y a le Ditto. Il y a lui aussi. Mais limite, je m'en fous parce que lui va se prendre cascade et mourir sur la prochaine attaque. Le Ditto, est-ce qu'il apparaît avec le clone? Est-ce qu'il peut copier seulement un clone? Putain, c'est des trucs que je devrais savoir, ça. Bon, je pense que sur cascade, on tue. On va tuer le Gazélec d'Ajaccio. Très bon surnom de mort. Hein. On fait cascade. On va voir les dégâts. Ça, je pense que ça devrait tuer quand même. Là, j'ai pas calque. Ah, j'aurais du calque. C'est que merde. Il a de la chance que j'ai pas un méga Léviator quand même. Change éclair, hydrocanon, repos. Et feu follet. En même temps, Léviator est ma condition sine qua non pour battre le Scorplan. Donc je peux pas me permettre de perdre. Déjà, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il a pas balance. Le petit coup critique que je me serais bien passé en fait.
Allez. Oui, je touche mes cheveux 36 fois par match. Oui, vous pouvez le dire. Vous regardez ses cheveux. J'en peux plus, cheveux, des cheveux. Cheveux. Ah ouais, c'est bien comme ça. Oui, je pète des plombs pendant mes matchs. Et alors? Tu peux faire quoi? Le choix a l'air délicat pour Mescol. Mais il doit hésiter à envoyer le dito quand même. Mais en même temps, s'il envoie le dito. En même temps, s'il envoie le dito et qui m'outspeed, est-ce que c'est foncièrement gênant? Ça dépend avec quoi il m'attaque. Il n'osera pas m'attaquer avec Draco Météor, je ne pense pas. Il envoie Florge. Ça va faire vœu. Ça va faire vœu et ça doit faire vœu. Et c'est là où il va falloir être très malin. Je pense qu'on va tenter on va tenter le coup Mimiki là. Je pense que c'est le moment. Celui va faire il va faire vœu. Je pense qu'il va faire vœu, il va soigner son Scorplan ou je ne sais quel autre. Donc on va envoyer ouais, on va envoyer Mimiki. Allez, c'est parti. Oh putain, il fait pouvoir lunaire. J'y crois pas. C'était pas le play à faire. Ouais. C'est quand même un petit coquinou, ce Mescol. Oh putain, il va envoyer Ditto. Et cela dit, on a placé la danse slam au bon moment. Bon, on meurt pas sur une ombre portée. Ah putain, je sais pas si ça fait la pri ça prend pas en compte la prio, je pense pas. Il faut faire ombre portée. Il le fait, mais ça nous tue pas. Putain, et c'est là où je vais pas tuer. Mais je le dois, je dois faire parce que s'il me choisit de faire griffon ombre, je suis mort. Donc de toute façon, c'était le move. Et j'ai pas fait. J'ai pas fait le Z-Move. On va peut-être voir le premier Z-Move de cette équipe. Scorplan. Putain, j'ai tellement peur qu'il fasse abri ou une connerie. Il y a séisme. Non, attends, il a Roost, ça c'est sûr. On a vu que Roost. On a vu piège de roc. On a vu piège de roc. Il a fait piège de roc. Mais non, c'est moi les pièges de roc. Mais c'est le terrain. Allez, pray for Mimiki. Go! Je suis tout à fait concentré, vous voyez. Voyons les dégâts d'un Z-Move à plus de dégâts. Allez, c'est parti, Mimiki.
Mimi Mathieu. Allez. Les dégâts. J'espère que ça va tuer quand même. Oh, il le tient bien. Oh, ouais. Toxique. Il faut taper la griffombre. On va taper la griffombre, c'est imminent. Allez. Bon, l'instant, il va faire rouge, mais il faut lui mettre la pression. Il faut taper jusqu'à la mort. En plus, le Ditto n'est plus là pour nous emmerder, donc c'est pas mal. A noter que ça fait 25 minutes qu'on joue et qu'il reste 5 Pokémon face à 4. Hein. Envoyer Ajaccio. Qui va prendre les rocs. Je suis à plus de la mienne. Et il n'est pas Scarf, donc... En tout cas, là, je vois mal comment il peut s'en sortir, là, en fait. Des switches. Pourquoi des switches? Pourquoi du switch? Il attend que je meure? Je signe mon arrêt de mort, me dit-il sur Discord. C'est impressionnant, cet homme. Je me disais tellement de switch. C'est impressionnant. Le Mimiki qui fait le café. Florge. Oh, le Florge qui va faire abri, spoiler. C'était sûr. C'était sûr, c'est Azur. Voilà, le Griffombre. Bon, du coup, Mimi qui va mourir et on va pouvoir envoyer le Métagrossi. Du coup, qu'est-ce qui est free sur... Je pense qu'on va envoyer Métagross, c'est le moment. Je pense que Métagross... Il reste... Là, il faudrait profiter du boost de... Il faudrait profiter du boost d'attaque, on va voir. Pourquoi ? Bon, cela dit, on n'a pas encore mis les points météo. Ça va, ça passe. Bon, par contre, vous connaissez, vous l'avez vu avec le match contre Matt, je peux rater les petits coups de boule. Ça passe. Ça va tuer le Motisma. Et il reste Cancrelove. Qui va se manger... qui va se manger un piste au point et mourir. Attendez, attendez, attendez. Non, on va peut-être pas le tuer. Parce que il faut pas que je fasse le con quand même. Qu'est-ce que j'aime pas les hyper offense. Je suis désolé, oui, c'est une hyper offense, cher ami. Faire un petit coup de boule. Pied voltige. Ça tue pas. Sauf crit. On le rate pas, mais de toute façon. De toute façon, derrière, on faisait piste au point et ça tuait, vu qu'on était dans la range de la mort de piste au point. Voilà, le Florge. Voilà, même sur rate point météore, sur Florge, on a Magnézone. Et voilà, et on va conclure ce match du coup. Florge, ouais, qui se prend les PDR et je perds la voix.
Et on va essayer de terminer sur Point Météor. Donc à noter que ça fait 3 victoires d'affilée avec cette équipe sur la chaîne. Mais arrêtez cet homme, arrêtez-le. Arrêtez-le. En tout cas, bon, j'ai jamais Skull, donc c'était pas un match évident parce qu'il y avait quand même des Pokémon assez déroutants. Le Ditto, le Motissement qui était assez chiant pour moi. Le Bémaron, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit joué Bémaron. Bon, le Cancrelove, on a les prios, donc c'est pas un gros problème. Il y avait qui d'autre aussi qui était plutôt embêtant? Je ne sais plus. Mais en tout cas, GG mes scolds. Donc j'espère que vous avez apprécié ce match. Il aura duré un petit peu 30 minutes, mais voilà. C'est ce qu'il faut pour un bon match Overuse sur la chaîne. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si vous avez envie pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour distribution, pour des matchs, pour la radio Pokémon, tout ça, tout ça. À très vite, bisous. Tu, vous inquiétez pas, le bonnet est toujours là.